les amis, aujourd'hui vidéo. Comme le temps n'est pas avec nous, aujourd'hui on va faire préparation de véhicule. Alors, dans ma dernière session de roulage, j'avais cassé l'aileron. J'avais roulé sur la piste de BMX, j'avais fait pas mal de sauts. La voiture est nickel, autrement, hein, on peut regarder. La voiture est nickel, il n'y a rien à lui reprocher vraiment. J'ai envie de me faire plaisir en mettant à mon cerveau de direction. Je vais mettre un aileron neuf parce qu'évidemment il est cassé, donc là on va le changer pour de vrai. On va faire une autre petite option qui est vraiment sympa à faire dessus sur ce véhicule là. C'est une version RTR, il n'y a que deux satellites au lieu de quatre satellites. Donc il y a deux planétaires, logiquement quatre satellites dans un diff. Chez Kyosho, pour question de budget, c'est là où ils déconnent un petit peu, c'est hop, pour réduire les budgets, ils mettent que deux satellites au lieu de quatre. Ça c'est un peu chiant. Donc on va remettre les quatre satellites dans tous les diffs. On va partir pour la réparation de ce véhicule là. Avant tout les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, continuez à me faire plaisir en vous abonnant et moi j'essaierai de suivre vos demandes, mon avis sur certains modèles. Et ben n'hésitez pas à me demander en commentaire après chaque vidéo. On va enlever la queue et on va bricoler ce petit véhicule et le remettre nickel. Donc elle est relativement propre. Donc on voit, alors j'avais rajouté un petit sabot de protection arrière. J'avais changé même deux vis en même temps, je les avais mis en VTR. C'est ces vis là, la platine radio de mémoire, c'est celle là. Platine radio démontée. Hop, je pose tout par terre. Ça c'est bien dit ça. Tac. Hop là. Donc le cerveau est pas très mauvais parce que c'est un cerveau pneumétal. J'ai envie d'essayer, en temps normal j'aurais tendance à partir sur un cerveau style style Sanois ou style Savox j'ai essayé plein de... j'ai essayé 2-3 cerveaux Cobra là, il n'y a pas longtemps. 2-3 modèles Cobra qui marche plutôt bien, des prix super attractifs. Alors j'ai envie d'essayer le haut de gamme de chez Cobra. En ce moment on fait une petite promo dessus en plus, donc ils sont encore moins chers. Hop, on finit de nettoyer parce que ça avait été nettoyé à la soufflette. J'ai bois du coca, moi, putain. Je vais faire chier une bouteille de coca. Je vais trop te mettre un fil d'antenne bien comme il faut parce que tout plié, ça me plaît pas. Un cerveau, je voulais essayer depuis un petit moment. Toc. L'avantage qu'il y a, c'est tout corps métal. On est sur un budget qui n'est pas énorme, qui est dans les 70 euros. Hein. Corps métal, Cobra. Donc on a un beau cerveau. Hein. Alors je remonte en vis BTR parce que je préfère la vis BTR que la vis cruciforme. Donc progressivement la voiture va devenir toute en vis BTR. Excusez-moi, je mélange les pinceaux.
Comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a que... Donc on a bien notre le planétaire d'un côté. Alors le diff n'est pas bien plein. Pareil. J'enlève un peu le surplus de... Voilà. Le diff n'est pas bien plein. Donc on va nettoyer le différentiel comme il faut. Remettre de l'huile. Mon premier jeu de planétaire que je remets en place. Hop là. Donc ça oblige à acheter deux pochettes pour faire les deux différentiels, enfin les trois différentiels complets. Par contre, ça c'est le point négatif. Ils ont pas, que Keuchot n'a pas prévu un kit spécial. Tac. Donc là, j'ai fait mon diff est propre. Nickel, je vais le remplir en vide silicone. Donc je mets... Alors moi j'ai prévu du 9000 au centre. Je vais mettre 9000 au centre. Pour avoir une bonne motricité. Je vais mettre 9000 aussi à l'avant. Et je vais mettre 3 ou 4000 à l'arrière. Tac. Donc... Hop là, on va faire attendre deux petites secondes. Donc petite goutte de frein filet, mon fin de montage, un remontage du différentiel avec putain c'est quoi que j'ai cassé, ah non c'est rien, fin de montage avec du frein filet pour les vis. Donc j'ai mis une vis tête fraisée cruciforme, je la vire pour remettre que des vis BTR parce que je suis pas fan des cruciformes. Donc on va virer toutes les vis progressivement pour passer tout en BTR. Donc on a changé le cerveau, donc on a mis des vis pour la partie platine radio en... Alors dans le plastique, je mets pas de frein filet, ça sert à rien parce qu'en fait ça abîme le plastique progressivement. Donc moi je mets jamais de frein filet sur le plastique, sachant qu'il n'y en a pas, logiquement il n'y en a pas besoin dans le plastique, ça se dessert beaucoup. À contrôler le serrage de régulièrement, mais du coup ça ne dessert pas. Tac tac tac. On va rouler. Bah, j'aurais bien aimé faire la session. Attends. Ça va juste comme ça par contre. Oh. Ah, c'est pas terrible. Hein. Donc en fait, je les vire pour remettre des BTR. Ouais. Là, c'est mieux. T'aimes bien toi aussi. Bah, ça foire moins. Quoi. Ouais, c'est clair. Tac. Le plein quand on l'achète, donc pensez-y, même si vous remettez pas les deux planètes, les deux satellites, si vous ne les mettez pas les supplémentaires, les deux satellites, au moins refaites le plein complet des diffs, parce que ça coûte rien, et puis surtout ça va plus facilement, ça va mieux marcher, ça va mieux entretenir vos différentiels,
Et ça évitera de manger les pignons, parce que la friction de l'huile va éviter que ça chauffe énormément. Moins il y aura d'huile, plus ça va chauffer. Hop là. Alors l'idéal, vous voyez, c'est quand vous faites le plein, faut voir en gros les petits bords de satellite qui sont pas tout à fait recouverts. Quand on va mettre le dernier planétaire, ça va appuyer, ça va remplir et ça va être juste à la bonne hauteur. Là, il y en a peut-être déjà un tout petit peu trop là. Mais ça doit jouer à pas grand chose. Où est-ce qu'il y a des bulles d'air là? Il y a une toute petite bulle d'air. Tac, tac, tac. Voir si ça descend pas trop. Si, ça descend. Un petit peu, mais pas beaucoup. Alors on se fait plaisir les amis. Cal, T-Works, on a eu. C'était pas indispensable, hein. Franchement c'était pas indispensable, c'était vraiment pour le plaisir là. On remonte. J'avais prévu 2-3 petites pièces options. Pas trop parce que les formes encore se sont pas faites. Bon maintenant les cours sont limite trop courtes d'un côté, puis l'autre côté elle est bien. On voit qu'ils. On voit, alors, les cours c'est facile de voir si ça force ou pas. C'est qu'on va en buter. Et l'idéal. Ah quoique non. En fait, ouais, allez, là en fait on a un peu trop de. Du côté gauche, on a trop de. La course est trop longue en fait. Faut réduire un tout petit peu la course parce qu'on on force sur le cerveau un petit peu. Et sur la mécanique. Donc en fait le palonnier se voile un petit peu. On le voit au niveau du. Là en fait on tourne. Et à ce moment-là, ici, on voit que le palonnier il force. Donc on force sur le cerveau, il doit se désenclencher un tout petit peu. Pensez, quand vous roulez régulièrement dans la boue et dans la terre, pensez à vérifier de temps en temps, à forcer sur le sauve-cerveau un tout petit peu, pour décoller le sauve-cerveau, pour de temps en temps le faire fonctionner. Et pour ce que j'appelle décoller, c'est vous avez votre système de sauve-cerveau qui a un biseau comme ça et comme ça, en gros, de le faire sauter un petit peu pour le décoller, de façon que le sauve-cerveau refonctionne bien. Donc ça veut dire, vous bloquez le sauve-cerveau d'un côté, avec le doigt, et vous comprimez de façon que le ressort, vous voyez, là en fait le ressort se comprime, et il fonctionne des deux côtés, de façon que le sauve-cerveau se décolle. Si le sauve-cerveau se colle et ne fonctionne plus, en gros quand vous allez prendre un choc, ça va l'envoyer directement dans le cerveau et vous allez casser le cerveau. Même si c'est pignon métal, vous risquez de le casser plus facilement. Donc là on va rentrer dans les menus de la radiocommande. On va aller sur le Delrat droite et gauche. Et on va le modifier pour que ça aille. EPA. Donc là on a mis à 100% de débattement de droite. Et maintenant je vais régler mes fins de course. Alors attendez, regardez, on était à 80. Jusque là on était à 80. Attendez, je vais le remettre à 80. Alors, on va le laisser à 80. Et si vous regardez la direction, il va prendre la direction en même temps. Essayez de prendre les deux en même temps. Donc là, et là plus on va l'augmenter, regardez, on voit la direction bouger. Donc on va chercher le débattement idéal. Donc là on est débattement ras de la tête de cerveau. Donc on est en course maximum. Et là de ce côté-là, on va réduire la course. Alors là on est à 80 de la même façon, mais en fait de ce côté là il faut en enlever un tout petit peu. Donc on va enlever. Donc on voit pour l'instant, alors attends je vais vous remettre à 80. Regardez bien les roues, on va le descendre progressivement et on voit que les roues ne bougent toujours pas. Voilà, là c'est pas mal. Donc 67, et là on a un rayon de braquage qui va être identique des deux côtés. Toc. Donc on a monté notre petit cobra, tout métal, on a refait les courses de cerveau, ce qui s'appelle de régler les fins de course. Donc pensez-y à bien régler vos fins de course sur vos cerveaux, autrement vous allez manger des cerveaux inutilement. T'as mis du froid. Ah bah non, on n'a pas fini. On n'a pas fini, ça c'est cassé mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, donc ça dernier roulage. Alors l'inconvénient du système Kesho, il est très rigide comme Elon. Donc de temps en temps il casse. Alors après j'avoue qu'on était en mode bashing et pas en mode circuit. Donc on va mettre petit aileron Hobitech qui fait très bien le taf, qui est très robuste, très solide. Donc on va basculer sur ce produit là parce que je suis fan des produits qui cassent pas. Et ça là dessus il est vraiment bien. Donc on va virer les rondelles, le système Kesho entièrement. On va garder les petites rondelles au cas où si un jour j'en ai besoin. Ça on va le mettre pour l'instant de côté. Hop, on va te donner un petit coup de chiffon pour que ça aille bien propre. Il n'est même pas très percé. Ben non, c'est bien. Bah si, c'est bien. Parce que si tu veux le monter sur un... t'as des trous de perçage pour la marque Hobitech, mais si tu veux le mettre sur une autre marque, au moins l'avantage c'est que bah, tu galères pas. Non, t'es pas d'accord? Bon, je suis d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que je fais jamais les trous correctement. Donc, la technique. Quand on s'appelle Freddy, qu'on n'a pas, on le prend de chaque côté, on l'emboîte de façon que ça force un tout petit peu. On le met en face et on fait un petit trou. Enfin, on prend un pré-trou. On fait un pré-trou, un petit marquage. Tac, voir où ça tombe. Logiquement, ça doit tomber ici, voilà. En fait, ici, vous avez le pré-trou. Et logiquement, vous avez un pré-trou, pré-trou Kesho. Pré-trou Hobitech. Donc c'est déjà pré-noté. Ce qu'il faut, c'est juste revérifier que c'est bien en face. Comme ça, quand vous faites les trous, pour de vrai. Les amis, après cette petite prépa, donc on a mis notre petit aileron Hobitech, on a mis nouveau ce cerveau. Je mettrai un palonnier alu, ça c'est sûr. J'en avais pas en stock, donc j'en ai pas pu le mettre. J'ai des 23 dents, 24 dents et plus de 25 dents, malheureusement. J'ai tout vendu à mes clients. Donc j'ai commencé à mettre de la vis BTR un peu partout. Progressivement, la voiture va être toute remise en vis BTR. Je vais le faire progressivement. Là maintenant, une fois qu'on a fait les réglages, on va aller sur piste bientôt. Je vous dis à bientôt les amis, et puis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.